La réalisation d'un volcan artificiel. Alors, nous allons tout à l'heure passer à l'expérience et vous allez observer ce volcan et les trois phases d'une éruption volcanique. Alors, c'est le type strombolien qui est caractérisé par le dégagement de la lave. Nous avons utilisé de l'argile. L'argile que nous avons mélangée avec de l'eau pour construire le volcan. Quand nous avons fixé les dates de notre voyage, on ne savait pas encore qu'il y aurait cet événement aujourd'hui. Et je suis très heureux personnellement que le collège Jésus Bon Pasteur ait été choisi pour cet événement. Ce qui me touche aussi, c'est que le MOLAB se soit déplacé ici, puisse permettre aux jeunes de voir concrètement les expériences scientifiques, parce que le fait de voir réaliser des choses concrètes, ça donne aussi beaucoup plus de vie à la façon dont ils peuvent percevoir l'enseignement sur les sciences. Les professeurs scientifiques sont très motivés dans le travail. Ils essaient de réaliser de petites expériences avec les élèves dans les classes. Il faut inventer des concepts. Et quand nous sommes africains, on va trouver des concepts dans nos langues pour pouvoir expliquer la science, pour que les enfants puissent mieux comprendre la science. Sinon, ils ont peur. Ils ont peur à faire les mathématiques, faire la physique. C'est qu'ils manquent de concepts. X même, les enfants ne comprennent pas qui est X. X, alors, dit bon, c'est quelqu'un. Hein, Amédée, donc en Évée, c'est Amédée, quelqu'un dans la langue aussi, Onyokan. Donc, alors, ils comprennent que X, ce n'est pas. Quand on ne rentre pas dans leur entendement, on ne sait pas que l'enfant ne comprend pas le X qu'on dit.